Dans cette présentation, nous aborderons quelques stratégies de lecture. L'enseignant peut faire la lecture. Ceci permet d'être un modèle pour l'enfant, d'intéresser l'enfant à l'histoire et de travailler la créativité de l'enfant. La lecture partagée est une méthode de lecture qui permet de garder l'intérêt de l'enfant, car ce n'est pas lui qui lit tout seul, mais il lit lorsque c'est son tour. Lorsque ce n'est pas son tour, il peut entendre le modèle de lecture. Lorsque les mots sont trop compliqués, il a quelqu'un qui peut l'aider. L'objectif de la lecture est de comprendre ce qui est lu. Cette forme de lecture peut être utilisée avec un pair. Lorsqu'on peut faire de la lecture guidée, c'est que l'apprenant devient de plus en plus autonome en lecture. L'enfant lit seul, mais il y a quelqu'un qui est là, qui pourra l'aider s'il a des difficultés.